Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est une ville en plein essor. Comme vous pouvez le constater, beaucoup des routes principales sont en bon état, favorisant ainsi la mobilité des personnes et des biens. Des routes qui demandent un entretien régulier, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, comme ici. Cette eau, dont la source vient de plusieurs origines, a un nom, l'éternel lac Kimbuta. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes là au croisement des avenues du commerce et Luambo Makiadi, ex-Bokassa, dans la commune de la Gombe. Les usagers de cette route, les taxibus en particulier, déplorent l'indifférence des autorités provinciales à l'endroit de ces coins du centre-ville. La régie des eaux est en place, on a bandatué Toboka plus ou moins 2 ans déjà. Cette eau provient d'une fuite de la tuyauterie de Régie des eaux, et cela depuis longtemps. Vous fermez moi, pourquoi le gouvernement manifeste cette indifférence à l'endroit de cette avenue? Comment pouvons-nous l'appeler? La Kimbuta, 17 ans. Ce qu'on finalement. Ce tronçon est dans cet état depuis plus de 5 ans. La réhabilitation de l'avenue Luambo Makiadi va sans aucun doute résoudre les problèmes d'embouteillage monstres constatés sur les avenues Kasavubu et Kasai.